lâchera pas l'affaire. On lâchera pas l'affaire. On lâchera pas l'affaire, en cours de route on y va tout chaud, ouais. Malgré les coups de blues et un moral qui s'écroule comme le cours des bourses. Écoute, on joue des coudes dans cette foule étouffante. Mec, on se débrouille en fait, en misant de chipette sur l'entraide, sans être les bienvenus en chien de subvention. On lâche plein de thunes dans le son, dans la peinture, en bombe vers la ceinture, dans l'ombre que les choses aboutissent. Malgré qu'on soit des gars tout pisse, on n'est pas prêt à s'accroupir afin de plaire au plus grand nombre. Un tas de faux culs dans ce monde à l'imposture sans honte, et on exporte une chanson. Car dans le fond la musique, loin des sons abusifs, ça amène trop de pure rencontre. Avec le brave gars Lucif, plus proche du taf d'usine que du palais mondain. Ici on lâche une rime pour celui qui fait son chemin et fait croquer les copains. Même si l'aspect financier contraint l'avancée de projets concrets, contraint qu'au complexe combat qu'on mène en commun. Pour les proches mecs, ceux qui dépannent quand t'es en galère, ceux qui méritent des médailles et qui y prêtent à peine, ceux qui te rappellent à la raison et te font relâcher la pression, ceux qui t'acceptent à la maison. Quelle qu'en soit la saison, c'est pour ces bons gars qu'on se bat. On se laisse pas abattre au comptoir, on compte pas le genre art quand il faut se mettre à table. Malgré les états d'âme, les décalages et les dérapages de chacun, on essaiera de garder la foi jusqu'au sarcophage de sapin. On essaiera de garder la foi. Dans l'ombre le futur se dessine, vu que la lumière divine nous éclaircit peu. La fin reste une énigme à la dérive, dans un milieu pernicieux et on persiste. Malgré des phases de superstition, paraît que dehors c'est l'inquisition, mais on précise qu'on est conscient de tenter de l'être, non sans réserve, ça en énerve plus d'un. Tant mieux au genre du hater, ça en célèbre. Putain. C'est ironique si t'avais pas compris. On répète, la fashionnerie ici c'est pas notre style. On respecte quelques préceptes fondamentaux et nécessaires. Quand d'autres gars parlent dans le dos des autres, on marche droit sans regarder derrière. On persévère et lâche pas le steak, postard la semaine. Et le week-end se fout la quiche comme une alsacienne. On mène plusieurs vies parallèles avec de nombreux paramètres à gérer. Parfois atterré, vu la charge de taf à faire. On bat, c'est vrai, passe par des phases de stress mal gérées. Mais vu le climat de rêve ici, on garde le smile dès qu'on regarde par la fenêtre. Dès qu'on regarde par la fenêtre. Les proches mecs, ceux qui te dépannent quand t'es en galère, ceux qui méritent des médailles et qui y prêtent à peine, ceux qui te rappellent à la raison et te font relâcher la pression, ceux qui t'acceptent à la maison. Quelle qu'en soit la saison, c'est pour ces bons gars qu'on se bat. On se laisse pas abattre au comptoir, on compte pas le genre, il faut se mettre à table. Malgré les états d'âme, les décalages et les dérapages de chacun, on essaiera de garder la foi jusqu'au sarcophage de sapin. Washington Square 1963. Pour être son propre scénariste, faut être actif et ne pas rester par terre assis dans un coma léthargique à cramer de la weed. Si on se lève la bite, c'est pour faire la diff sans se poudre les narines. On n'est pas prêt de lâcher la zic, vas-y fais tourner les platines. Comme les rumeurs sur notre compte, ça va pas nous changer la vie. Car dans le fond, on sait qu'en tant qu'unique écrivain de sa bible, faut prendre des initiatives pour s'imposer malgré sa taille dans ce monde comme Mimi Mati.